fleurs ont un langage. Les fleurs parlent, les fleurs s'expriment, les fleurs remontent. Et nous les utilisons dans tous les domaines. Un malade à l'hôpital, par exemple, on peut lui offrir un bouquet de fleurs pour le réconforter. Nous les utilisons dans des événements comme des mariages, des deuils, les nominations, les anniversaires, les soutenances, etc. Et parmi les fleurs, nous avons les fleurs naturelles et les fleurs artificielles. Les rouges d'abord. Les roses rouges partent sur les affections amoureuses. Amoureuse, mari et femme, par exemple, les roses blanches expriment la clarté, la paix, et elles sont universelles. On peut les offrir à n'importe qui, il n'y a pas de problème. Voici ensuite le bouquet du pays, fait avec les fleurs de chez nous. Ces fleurs, on les cultive dans certaines régions du pays, comme le sud-ouest. Nous avons, par exemple, les anthuriums. Voilà les anthuriums, ceux qui sont cultivés ici. Nous avons les spatifoliums qui sont cultivés ici. Nous avons les hybrides que voici, qui sont cultivés ici. Et ce sont des variétés que nous utilisons pour faire le bouquet d'ici, si on ne veut pas utiliser les importés. Et cet assemblage forme un bouquet à offrir. On emballe pour les anniversaires, les baptêmes, on les offre même à l'église. Il y a des clients qui viennent acheter pour déposer dans les églises, pour demander la grâce aussi. Ici maintenant, c'est un bouquet de fleurs importées. Formé, comme vous le voyez là, c'est un bouquet de fleurs importées et on les offre toujours pour les mêmes circonstances. Et ces bouquets coûtent plus cher parce qu'elles sont importées. Les fleurs sont importées et la douane, le dédouanement coûte cher, ce qui fait qu'on ne peut pas les vendre au même prix que les fleurs locales. C'est un peu comme ça. Maintenant, je vous présente un bouquet de fleurs artificielles. Ce sont des roses artificielles, utilisées toujours pour les mêmes circonstances. Anniversaire, baptême, ouverture solennelle. En tout cas, voici un bouquet des amoureux en artificiel. Pour celui qui ne veut pas dépenser sur le naturel, parce qu'à un moment même, vous savez qu'il y a plusieurs variétés. En artificiel aussi comme en naturel. Ça, c'est un bouquet fait pour offrir à une femme. Universel, ce n'est plus amoureux, mais c'est affectif. La couleur rose fait femme. Donc, c'est un peu comme ça qu'on dit que les fleurs parlent, puisque ça dépend des couleurs. Donc, le rose fait femme. On emballe et on offre toujours pour les mêmes circonstances. Nous vous présentons maintenant les différents types de gerbes de fleurs. Nous avons les fleurs artificielles que voici et nous avons les fleurs naturelles que voilà. On les compose comme ça sur des couronnes. On les emballe et les clients viennent prendre pour les différents deuils. Enfin, les fleurs ont un langage. Les fleurs sont un objet de luxe. Les fleurs nous accompagnent dans la vie. Les fleurs nous réconfortent. Les fleurs sont un amour pour nous. Ce qui fait que les anniversaires, les mariages, les nominations, les soutenances, nous faisons dans ce monde de fleurs pour accompagner la vie. Pour accompagner le monde que nous aimons, pour compléter les joies et les peines. Parce qu'il y a évidemment heureux et malheureux. Les fleurs accompagnent en tout cycle. Donc la fleur, c'est la vie. Fleur, c'est la vie. Une fleur sans vie n'est pas vie. Une vie sans fleur n'est pas vie.